une église positive, mais qui est l'église négative, hein, peut-être la pire des sept d'ailleurs, puisqu'elle est mentionnée en dernier. Elle nous représente l'église dans une vie d'apostasie complète. Hein. On va voir ça ensemble. Donc voilà, garçon, on va prier pour moi. Que ton nom soit béni, glorifié, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour ce programme de chant, de témoignage qui a disposé nos cœurs. Mais le plus important pour nous, c'est d'écouter ta parole. Oui. Et Seigneur, tu béniras mucho, Seigneur. Ce message que tu as mis dans son cœur, tu le bénis, nous voulons l'entendre. Et ce message touche nos cœurs à chacun. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je fais la lecture. Donc, concernant l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et dont du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Verset 22 et dernier verset. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen pour la lecture de la lettre de Laodicée. Dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 30, la Bible mentionne dans ce verset que je prends, il s'élèvera, c'est l'apôtre Paul qui avait dit ça, il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pourrites. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. On est dans le livre des Actes au chapitre 20. 25 ans plus tard, la triste prophétie de l'apôtre Paul s'est accomplie dans l'église de Laodicée, puisque nous voyons que l'église de Laodicée est devenue une église apostate, est devenue une église religieuse. Laodicée veut dire peuple juste. C'est un bon départ, hein? Peuple juste. Il se croyait du moins juste. On peut croire beaucoup de choses sur soi-même, hein, sans l'être. On peut se tromper nous-mêmes. On est des très bons chineurs, on arrive même à se tromper nous-mêmes. Terrible. Laodicée, peuple juste. Juste, ça veut dire conforme, peuple fondé, peuple exact. Exact. Oui, mais perdu. La Bible rapporte du moins. Vous savez que certains chrétiens qui négligent volontairement leur témoignage, ça existe. Prendre des risques inouïs. Certains chrétiens négligent volontairement leur témoignage, s'appuient sur la grâce, s'appuient sur leurs œuvres pour certains, parce qu'ils travaillent pour Dieu. Alors, eh bien, prétextant une grâce, prétextant leurs œuvres, eh bien, ils pensent avoir une faveur spéciale du ciel, faveur spéciale
en disant, ben Seigneur, tu as vu, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, alors peut-être que tu passeras sur mes petites négligences, tu passeras peut-être sur mes imperfections, sur mon péché que je pratique. Ça peut exister, ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de l'église de Laodicée. Hein. Laodicée se croit vraiment conforme. Elle se croit vraiment sauvée. Laodicée se croit, c'est peuple juste. Hein. Il y a aucun problème. Et d'ailleurs, elle le déclare elle-même au verset 17, si vous avez fait attention à la lecture. Au verset 17, elle dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de personne. Tout va bien dans ma vie chrétienne. Alors qu'on sait très bien que dans l'évangile de Jean, chapitre 15, on le répète souvent, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, elle, la Odyssée orgueilleuse, elle dit, moi je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. C'est ce que la Odyssée disait. La Odyssée croit être, mais ne l'est pas. Il n'y a rien de plus dangereux. Écoutez, rien de plus dangereux que de croire être sauvé et de ne pas l'être. Parce que on ne fait plus d'efforts, il n'y a plus besoin de sanctification. Rien de plus dangereux que de se croire Laodicée, peuple juste. Voilà pourquoi, là, au début de la lecture qu'on a fait ensemble tout à l'heure, Jésus se présente à cette église, Jésus se présente à l'église de Laodicée et il dit, voici ce que dit le véritable. Là, c'est plus la même limonade. Hein. Jésus se présente sur la scène et il dit, voici ce que dit le véritable. Le mot « véritable » veut dire « conforme à la vérité ».« Conforme à la vérité », c'est ce que ce mot veut dire. Jésus se présente comme ça à Laodicée, en voulant dire « tu ne me feras pas avaler quoi que ce soit à moi hein ». Il dit « voici, je me présente, voici ce que dit le véritable ». Le véritable, le siècle où nous vivons, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin parce que vous le savez, vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes filles. Le siècle où nous vivons pullule. Pullule, ça veut dire se multiplie. Pullule de faux, de contrefaçons, de copies, de semblants de vie chrétienne, de dilués. On se dilue de pas 100%. Comment ça, t'es pas 100%? Ça veut dire que tu donnes quelques pourcents au diable alors? Un chrétien, un enfant de Dieu, il est à 100% pour Dieu! Amen! Sinon, t'as rien compris! Je m'excuse. Voici ce que dit le véritable. Jésus intervient sur la scène en disant, voici, je me présente, je suis le véritable. Écoutez, la puissance que dégage un véritable. Quelle puissance qu'un enfant de Dieu véritable, et vous l'êtes, gloire au Seigneur, et nous le sommes, parce que nous avons passé par la nouvelle naissance. Quel impact une femme de Dieu, un homme de Dieu, quel impact quand elle arrive, quelle vie ce qu'elle dit, quelle vie. Qu'elle vit ce qu'elle chante. Qu'il vit ce qu'il prêche pour nous les serviteurs. Et qu'il arrive sur la scène en disant, voici ce que dit le véritable. Écoutez, quel impact d'un chrétien fidèle et engagé dans sa vie chrétienne. Quel impact. Avec tous ces chrétiens discount, quand le véritable, il s'approche, je vous jure, que les bouches se ferment. Parce qu'on entend dire, hein, « Oh ben si c'est pour être comme ça, je suis mieux que lui. » Et souvent c'est le cas. Parfois c'est le cas. Mais quand le chrétien véritable, la chrétienne véritable, s'avance sur la scène dans une discussion, je peux vous dire,
Ça a un impact, un enfant de Dieu. Une femme de Dieu, un enfant de Dieu. Voici ce que dit le véritable. Amen. C'est beau ça quand même. Alléluia. Tant que la copie tout seul, ça va? Tant que la copie est tout seul, ça va? Elle essaye de tromper un petit peu tout le monde. Elle pourrait passer, la copie. Oui, on ne peut pas faire la différence, si vous préférez. Mais Jésus intervient sur la scène. Et quand le véritable se pose à côté de la copie, quelle différence? Quelle différence? Achète un coca du Lidl et mets-le à côté d'un vrai coca, puis appelle Diptyl. Tu vas voir lequel ils vont prendre. Quelle différence qu'un véritable. Écoutez, quand le véritable se positionne à côté de la copie, elle fait rire. Elle fait rire, la copie. Elle est stupide, elle devient stupide, la copie. On en rit, autant qu'il n'y avait pas le véritable à côté. Vous pouvez tromper, hein? Fais une copie. Le véritable, ça donne envie, non? Amen. Amen. Alléluia. Ça donne envie, un véritable. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau, un homme de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, une femme de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Alors, l'Odyssée n'est pas un original. L'Odyssée n'est qu'une vulgaire photocopie. Pourtant, l'Odyssée, eh bien, on va le voir après, a un programme. Un jour, eh bien, le sang de Jésus avait aussi passé sur sa vie. On se rappelle du beau verset, je l'ai mis ici d'ailleurs, donc je le lis, du beau verset de Colossiens chapitre 2 et verset 14, que autrefois ce verset nous dit qu'il existait un acte. Alors j'ai fait ça pour ceux qui comprennent peut-être pas ce verset, parce que moi ce verset, il me bouleverse. Il dit que autrefois il existait un acte qui nous condamnait. Un acte, c'est un document, c'est un papier. C'est ce qui veut dire le verset. Autrefois, il existait un papier comme ça, là, où tout était marqué, tout est péché. Pas parce que t'en avais, hein. Toi, c'est marqué dessus, péché, 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 péché. T'en avais, même ceux qu'il n'y avait que toi qui connaissais. T'étais condamné. Le ciel était fermé pour toi. Mais ce verset nous dit, là, que Dieu, dans son amour, en clouant le Christ à la croix, il a effacé ça. Écoutez, il a effacé ça, comme un maître d'école efface un vulgaire tableau. Et aujourd'hui, voilà, voilà ce que notre vie est. Elle est blanche. Il a effacé, écoutez, l'acte qui nous condamnait a été effacé. C'est beau ça. Nous sommes devenus plus blancs que la neige. C'est blanc la neige. Eh bien, la Bible, elle dit qu'on est plus blanc que la neige lorsque Jésus efface nos péchés. Et il semblerait que notre église de Laodicée avait repris, eh bien, le stylo du péché. Elle avait, sur sa belle feuille blanche, eh bien, recommencé à vivre une vie totalement dissolue. Alors, le verset 15, j'avance maintenant. Le verset 15, le verdict tombe pour nos chrétiens de Laodicée, puisqu'on parle des chrétiens de Laodicée ce soir. Et puis, eh bien, Jésus nous dit dans la lecture qu'on a fait ensemble que nos chrétiens de Laodicée ne sont ni froids, ni bouillants. Ni froids, ni bouillants. Ça veut dire qu'ils sont tièdes, dégourdis. On ne se brûle pas la main. C'est pas gelé non plus. Ça sait prier quand il faut. C'est pas gelé non plus. C'est ni froid, ni bouillant. Semblerait qu'ils sont installés dans une tiédeur spirituelle, Laodicée. Une tiédeur spirituelle, l'entre-deux spirituel. Tu le vois celui-là? Le chrétien, l'entre-deux spirituel. Le chrétien robinet avec mitigeur intégré, tiens. Tu les vois les robinets là? Froid, chaud. C'est tiède. C'est entre les deux. Un petit coup sur le rouge. Seigneur, je parle en langue. La 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 la. Un petit coup sur le bleu. Je débine mes frères.
Je débine mes sœurs dans l'église et je débine mes pasteurs pendant que j'y suis. Tu vois, c'est le chrétien robiné avec mitigeur intégré, ça. Il est ni froid, ni bouillant, il se promène. C'était le cas à Laodicée. Et on se rappelle du verset de l'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 11, où que l'apôtre va dire « La source fait-elle jaillir de la même ouverture, de l'eau douce et de l'eau amère ?» C'est pas possible. C'est impossible. C'est ce que l'apôtre dira dans son enseignement. Vous lirez ça dans l'épître de Jacques. Il y avait sur les hauteurs de Laodicée, j'ai été là-bas, hein, et frères aussi, il y avait sur les hauteurs de Laodicée une autre ville très importante qui s'appelait Hierapolis. Hierapolis, et il y avait dans cette ville-là, eh bien, des sources d'eau chaude réputées qui sont encore aujourd'hui là-bas. Et si vous allez là-bas, c'est magnifique, vous allez voir toutes des espèces de montagnes. Et je vous assure que tant que vous n'avez pas mis le pied par terre pour aller toucher, vous croyez que c'est de la neige. C'est quand même terrible en plein désert, hein. C'est du calcaire. Il y a là-bas des sources d'eau bouillante et le calcaire est bien afflué et il tombe sur les pentes comme ça et il y a des bassins et ici eh bien il y a des sources d'eau chaude. Ça c'est Hierapolis, ça existe encore aujourd'hui, c'est une station thermale et c'est très joli d'ailleurs. Et donc Laodicée, elle est en contrebas de Hierapolis et un peu plus bas si vous préférez. Et ces sources d'eau bouillante, ces sources d'eau chaude de Hierapolis avaient des vertus pharmaceutiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien les gens s'en servaient dans les bains, ils se mettaient dans les bains, et les gens s'en servaient pour soigner des douleurs, des rhumatismes, des choses comme ça, des infections même pour certains. Et puis effectivement, eh bien, il semblait que ça marchait. Et nos gens de Laodicée savaient faire un petit calcul et savaient fabriquer des espèces de petits canaux, on appelle ça des aqueducs, qui sont encore visibles aujourd'hui d'ailleurs. Des aqueducs, des petits tuyaux en terre cuite, rentrés dans ces espèces, si vous préférez, donc, de sources. Et ils se faisaient amener à Laodicée, donc la source descendait, et elle venait chez eux. Seulement voilà. Une fois que l'eau bouillante, qui avait ses vertus pharmaceutiques, arrivait en bas, elle n'était plus bouillante. Et quand elle baissait d'un certain degré, elle n'était plus efficace à rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laodicée, c'est le chrétien feignant, dis donc. Il sait où aller pour le bouillant. Il sait où aller pour la bénédiction. Il ne voulait plus monter à Hierapolis. Il voulait que Hierapolis vienne à lui. C'est le chrétien ou la chrétienne feignante, ça, qui se contente de une, deux réunions par semaine, qui loupe son culte assez souvent. Vous voyez, il faudrait que c'est les pasteurs qui viennent constamment la visiter. Il faut que c'est le bouillant qui vienne vers eux. Mais eux savent très bien où il est le bouillant. Ils savent très bien que quand on veut être béni, eh bien il faut se donner la peine. Et il faut aller là où ça bouille, non? Il faut aller avec ses frères, avec ses sœurs, il faut aller à l'église. Que Dieu nous bénisse dans ce domaine. Ça veut dire qu'ils savaient, Laodicée savait où était la source. Mais ils n'allaient pas à la source, il fallait que c'est la source qui vienne à eux. Et la source, en venant à elle, perdait, comme je l'ai dit, donc de ses propriétés efficaces, et elle n'était plus bonne. Alors elle ne servait plus à guérir, ni à apaiser, mais on pouvait même plus la boire non plus, parce qu'elle était tiède. Vous allez boire une eau tiède, vous? On comprend mieux le reproche de Jésus, qui lui dit, « Puisses-tu être bouillant, au moins tu t'aurais guéri !» Ou froid ? Tu t'aurais désaltéré de temps en temps. Et là, une eau tiède, écoutez, ça ne sert pas à grand-chose. On comprend mieux
le reproche qui lui est fait. Alors, Jésus prévient Laodicée par cette terrible parole qu'on a lue et dit « Je te vomirai ». Terrible. « Je te vomirai ». Ça veut dire qu'il y a dans le corps de Jésus un rejet total de Laodicée. Jésus ne supporte pas Laodicée. Laodicée devient pour Jésus un corps étranger. Et nous le savons, quand il y a un corps étranger dans l'estomac, quelque chose de pas bon, alors on le vomit. Jésus dit à Laodicée, écoute, je te vomirai. Il semblerait que le mélange du froid et du bouillant donne la nausée à Jésus. Tu veux nous dire quoi, Ramuncho ? Je veux dire qu'une vie chrétienne instable, une vie chrétienne de mélange, une vie chrétienne de compromis donne la nausée à Jésus. Je te vomirai, Laodicée. Jésus ne supporte pas. Alors nous le savons, il y a plusieurs choses qui donnent la nausée. Et moi j'ai mis sur mon petit bout de papier que la première cause de nausée, c'est le ballottement, non ? Quand on est en voiture ou en bateau, vous avez vu quand ça remue un peu trop, alors eh bien on a le mal de mer quand on est en mer et on a le mal de la route, hein, pour ceux qui ne supportent pas la voiture, comme moi d'ailleurs. Donc ça veut dire que le ballottement peut nous représenter pour nous ce soir, par rapport à cette idée, l'instabilité chrétienne. Je suis un chrétien formidable pendant 15 jours. Les 15 jours après, une mauvaise compagnie arrive. Vous comprenez cela ? L'instabilité chrétienne. On n'arrive pas à tenir, dis donc. On n'arrive pas à être un chrétien stable. On n'arrive pas à être une stature parfaite dans les choses de Dieu. Alors que le Seigneur n'a rien à voir avec nos problèmes. Le ballottement, l'instabilité chrétienne. On va être fervent pendant un mois, deux mois de l'hiver, et puis d'un seul coup, patatrac. Ma grande tante, eh bien, s'est cassée le genou et puis je suis démoralisé. Parce que des fois, on tombe pour pas grand-chose. Des fois, on s'affaiblit pour pas grand-chose. Et on voit des personnes qui ont passé des creusets épouvantables, qui ont passé des épreuves terribles, et qu'ils sont là et qu'ils tiennent dans les choses de Dieu. L'instabilité chrétienne, le ballottement donne la nausée. Éphésiens chapitre 4, regardez le verset que j'ai marqué, et dit « Soyez des hommes faits, bonne foi pour toutes ». Arrête d'être un chrétien yo-yo. Soyez des hommes faits. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés. Toi, le ballottement, il revient. Flottant à tout vent de doctrine. Soyons fondés et enracinés dans la parole du Seigneur. Et Laodicée ne l'était plus. Il y a autre chose qui fait vomir, c'est le dégoût. Vous avez vu quand il y a quelque chose qui vous dégoûte, tout de suite, on a ce sentiment de nausée qui vient. Eh bien, laissez-moi vous dire que le péché pratiqué consciemment dans la vie d'un croyant dégoûte Dieu. Pour les perplexes, vous lirez le psaume 95. Il y a une troisième chose qui donne la nausée, c'est une odeur. Vous voyez, une odeur nauséabonde, des fois, va nous faire lever le cœur. Quelque chose qui sent mauvais. Mais la Bible nous dit pourtant qu'un chrétien, une chrétienne, c'est le parfum de Christ. Ça sent bon un chrétien. Ça sent bon une chrétienne, que son nom soit béni. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 8. Et puis ça revient souvent, cette petite phrase. Il dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Amen.
Dieu a de l'odorat. Écoutez, quand il y a une offrande d'une odeur agréable, eh bien, le verset dit, hein, Dieu sentit de son ciel de gloire une odeur agréable. Dieu a un odorat. Et laissez-moi vous dire que cette église dont on parle ce soir, on ne fait pas son jugement, mais on s'en sert d'exemple pour ne pas devenir comme elle, vous comprenez? Eh bien, Laodicée sentait mauvais. C'était une église qui sentait mauvais. Et le parfum de Laodicée fait vomir Jésus. Il dit, je te vomirai. Je te vomirai. Alors le verset 18, Laodicée dit, qui se dit riche, manque pourtant de tout. Et Jésus va lui conseiller, et faites attention à la lecture, elle était importante, Jésus va lui conseiller d'acheter de lui 3 articles. 3 articles dans les rayons de Jésus sont proposés à notre église apostate. La première des choses, le premier article nécessaire pour prétendre au salut, pour prétendre à une repentance vraie et sincère, Jésus lui dit, il faut que tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous savons que l'or, c'est le symbole des grandes valeurs. L'or, c'est le symbole de la grande richesse. L'or est le symbole, si vous préférez, des bénédictions qu'on reçoit, de la qualité. L'or éprouvé par le feu, ça veut dire que Dieu nous a sondé notre cœur, et il a vu que nous avions un cœur de qualité pour lui. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Tu veux dire quoi? Ça veut dire que le chrétien de Laodicée n'est plus totalement massif. Semblerait que notre chrétien de Laodicée est devenu le chrétien plaqué or. Le chrétien qui vaut pas 10 balles, tu le vois le plaqué là? Le plaqué des Chinois là, tu le vois? Ah, il brille! Qu'est-ce qu'il brille ce chrétien là? Le chrétien plaqué or, il brille de plein feu, de plein fouet. Et c'était qu'une couche par-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas sa vraie nature, ce qu'il veut montrer. Ce que Laodicée veut montrer dans son premier abord, ce n'est pas sa vraie nature. Elle dit, je suis riche. Tu ne vaux pas 10 balles, oui. C'est une fine couche de spiritualité sur toi. C'est de la ferraille en dedans. Tu n'es pas massif, Laodicée. C'est un peu le reproche de Jésus. Tu n'es pas massif. Si on t'écaille là, si la vie t'écaille, tu fais montrer ta vraie nature, et ta vraie nature, c'est pas du massif. Il y a sous ta fine couche de spiritualité ton ancien caractère, ton ancienne nature. Le vieux bonhomme est là. Le vieux bonhomme est là. Personne ne l'a vu. Mais la flamme de feu qui est le Christ, il voit à l'intérieur de notre cœur. Le chrétien de Laodicée n'est pas massif. Il brille. Ce reproche est en train de... Jésus est en train de dire à Laodicée, Laodicée, je veux que tu sois vrai. Laodicée, je veux que tu achètes de moi ce caractère. La Bible nous dit qu'il veut que la vérité soit au fond du cœur. On le sait qu'il n'y a pas plus important que la vérité. Le chrétien, la chrétienne est toujours assimilée à la vérité. Ce n'est pas dissociable, je le disais autrefois. Ce n'est pas dissociable. Le chrétien est toujours assimilé à la vérité. Il est normal qu'un chrétien vit dans la vérité. Il est normal. Les inconvertis le diront. Tu n'as pas le droit, toi. Hein, tu es un chrétien. Tu dois dire la vérité, hein. Oui, tout le temps, le mot vérité sera assimilé à un chrétien, tout le temps. Ça va ensemble, c'est pas dissociable. Et là, Laodicée l'avait dissocié. Elle ne vivait plus pleinement la vérité de Dieu, des Écritures. On va le voir après, de toute façon. Jésus lui dit, écoute, je veux que tu sois massif. Je veux que ce qu'il y a à l'extérieur, ça soit aussi à l'intérieur. Je le veux, ça. Deuxième article nécessaire pour prétendre au salut que Jésus lui demande,
Jésus lui demande d'acheter de lui le vêtement blanc. Le vêtement blanc. Comme pour lui dire, écoute, je sais pas, hein, ça c'est moi qui le rajoute, mais si Jésus lui demande, écoute, achète-toi un vêtement blanc, Laodicée, ça voulait sûrement dire que le sien était pourri. Ça voulait sûrement dire que le sien était sale, dégueulasse, le chrétien pourri, le cradoc spirituel. Si Jésus lui parle de cette façon-là, je vous assure, je te conseille d'acheter de moi le vêtement blanc. Tu fous la honte, Laodicée. T'es pas net sur toi. On se rappelle de l'apôtre Paul qui va dire à l'église de Corinthe, attention, hein, vous êtes une lettre, hein, ouverte et lue de tous. C'est-à-dire qu'on vous regarde, hein, on vous lit, les gens savent lire. Hein. Les gens savent lire, attention. Paul, il leur dit, tout le monde vous lit. Hein. Parlez du témoignage, là. Noé, on a fait mention du témoignage, de l'importance du témoignage vendredi. J'étais pas là, mais j'ai écouté la prédication en route. Je te conseille d'acheter de moi le vêtement blanc. Alors, je ne sais pas, mais le blanc revient souvent pour Jésus. Je ne sais pas si c'est la couleur préférée de Jésus. Quoi qu'il en soit, la Bible dit dans le livre de Daniel, au chapitre 7, que son vêtement est blanc. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, que son cheval est blanc. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, que le trône, il est blanc. Écoutez, Jésus est propre. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez que le ciel est quelque chose de pur, de propre, et rien de souillé? Rien de souillé n'irritera le royaume des cieux. Laodicée était réputée pour son élevage, parce que chaque petite reproche, Laodicée les prenait en pleine figure, mais elle savait très bien de quoi voulait parler Jésus, attention. Pour ça que des fois dans nos réunions, quand la parole de Dieu est prêchée, personne n'a fait gaffe. Mais les intéressés, que le Saint-Esprit prend les paroles du serviteur, le Saint-Esprit prend les paroles du serviteur et les rentre dans le cœur de chaque chrétien qui a besoin d'une parole. Et à Laodicée, il existait un élevage de moutons. Et ces moutons étaient des moutons noirs. C'était terrible. Il y avait cette spécialité dans les prairies, dans les champs de Laodicée. Eh bien, on élevait cette sorte de mouton qui s'appelait le mouton de Lycus. Dans la vallée, ils étaient élevés dans la vallée de Lycus. Et c'était des petites brebis noires. Et Laodicée, eh bien, avait été réputé pour son élevage. Et puis, c'était vendu autour, et puis ça faisait un petit peu sa gloire. Ça faisait un petit peu sa différence, si vous préférez. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que quand on s'approchait de Laodicée, à perte de vue, de loin, dans les grandes prairies vertes, on voyait, eh bien, tout des petites taches noires, des petits moutons noirs, des petits points noirs. Le Seigneur connaît mon cœur, c'est pas méchant. Ces petits points noirs, alors c'était peut-être l'image d'un témoignage obscur dans le champ de Dieu, je ne sais pas. Nous savons que le noir symbolise le deuil. Peut-être aussi pour dire aux chrétiens de Laodicée, écoute, ton témoignage, il est foutu. Ton témoignage, il est mort, chrétien de Laodicée. Que c'est beau une brebis bien blanche, non? J'étais en Israël il y a quelques années de cela, et puis je sortais de Jérusalem, et puis ma tête était appuyée sur la vitre du bus, et puis en sortant de Jérusalem en direction du désert du Negev, là, c'est très joli quand on sort de Jérusalem. En plus, j'y avais été un mois de mars, et le mois de mars en Israël, c'est magnifique, c'est vert.
Quand on y va au mois de novembre, c'est pas les mêmes couleurs. Et là, ma tête était reposée comme ça, et puis je regardais le paysage qui était magnifique, forcément. Et puis je suis passé à côté d'un petit pré, comme ça, d'un petit champ tout vert. Et la scène était tellement belle. Il y avait ici un berger. Là, on aurait dit qu'on aurait été propulsé il y a 2000 ans en arrière. Il y avait un berger qui était là, avec un bâton. Il était assis sur un tas de cailloux. Il était là. Et puis autour de lui, peut-être 10, 15 brebis, pas plus. Un tout petit troupeau, parce que là-bas, il y a des tout petits élevages encore aujourd'hui. Et là, eh bien, mes yeux portent là-dessus. Oh, je dis, quelle beauté, Seigneur. Ce berger, là, à côté de son petit troupeau, quinzaine de brebis. Et puis je regarde, soudainement, je regarde les brebis. Et je les vois dans un état. Dans un état de salissure que c'était incroyable. Je dis, c'est pas vrai. Oh, ils étaient sales. Mais alors, écoutez, ils étaient dégoûtantes. Des gros paquets de laine sales comme ça, là. La scène était si belle, pourtant. Je voyais le berger était là, le bâton à la main. La belle petite, le beau petit amonceau de pierre avec ce petit champ tout vert. C'est-à-dire que le berger les avait amenés dans un bon endroit, pourtant. L'herbe était verte. Ils avaient la sécurité du berger à côté. Ils avaient tout pour être blanches. Et là, le Saint-Esprit parle dans mon cœur et me dit, regarde, Ramuncho, ils ont le berger. Le berger a la parole à la main. Ils ont la nourriture. Et là, je pense tout de suite au psaume 23, forcément. Il dit, ils ont le berger, ils ont le bâton. Ils ont le vert pâturage. Et il dit, regarde dans l'état où ils sont. Et c'est vrai, je les vois dans un état. Et là, le Saint-Esprit me dit, me fait comprendre que des fois, même qu'on a la parole, même qu'on a les serviteurs qui sont là, eh bien, on est sale. Alors pourquoi, Seigneur, on est sale? Pourquoi, Seigneur? Eh bien, il y a des brebis dégoûtantes. Et vous savez pourquoi qu'une brebis, elle devient sale? Parce qu'elle n'est pas tondue. Elle a une espèce de gros paquet de laine sur elle. Et quand elle marche, eh bien ça traîne partout. Et c'est ce qui fait que, eh bien, elles deviennent sales. C'est les brebis qui ne veulent pas être tondues. On a des brebis qui ne veulent pas être tondues, attention. Moi, je les ai appelées les brebis avartes. Ils ne veulent pas donner la laine. Ils veulent toujours au soir. Ah, ils aiment bien le berger. Ils aiment bien que le berger veille sur eux. Ils aiment bien l'herbe fraîche, le vert pâturage. Mais quand il suffit de donner, oh là là, allez Cradoc. Vous voyez, la scène n'allait pas avec les brebis. Alors on a vu les deux premiers articles demandés, qui étaient l'or, le vêtement blanc, et le troisième article, vous allez voir, n'est pas mal non plus. Jésus leur demande d'acheter de lui un collyre. Amen. Un collyre. Alors, Laodicée, qui était très avancée, Laodicée détenait la pierre phrygienne. La Phrygie, c'est un département qui touche Laodicée. La pierre phrygienne, c'était quoi? Espèce de petite pierre, un peu sableuse, un peu comme une craie, si vous préférez. Et cette pierre-là avait la faculté, une fois réduite en poudre et associée avec de l'eau, avait la faculté d'être un très bon nettoyant pour les yeux. Vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de choses qui viennent dans les yeux. Et Laodicée savait inventer, il y avait d'ailleurs une école de médecine à Laodicée, et donc les théologiens pensent que Luc, qui a écrit donc le livre de l'évangile de Luc et le livre des Actes, aurait fait eh bien, donc, ces écoles à Laodicée. Bon, bref. Donc, quoi qu'il en soit, Laodicée avait ce fameux collyre. Alors, j'ai regardé, moi, ce que valait dire le mot collyre en grec. Et écoutez, vous allez comprendre. Collyre en grec veut dire collurion. Et collurion veut dire oindre. Et oindre, ça veut dire imbibé d'huile. Amen. Ça veut dire quoi, imbibé d'huile ?
C'est ici l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire que le collyre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qu'il nous fait voir. On se rappelle dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, il dit que le Saint-Esprit, il nous conduit, il nous dirige. On retrouve ça aussi dans la première épître de Jean, chapitre 2, où il dit que cette fois-ci, le Saint-Esprit vous enseigne. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, dans la vie du croyant, eh bien, lui donne la faculté d'un discernement spirituel, de voir ce qui est agréable à Dieu ou désagréable à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est en train de lui dire, écoute, je te conseille d'acheter de moi le collyre de Dieu qui n'est pas moindre que le Saint-Esprit. Ça veut nous dire pour nous ce soir que Laodicée n'est plus animée du Saint-Esprit. Il n'y a plus dans cette église, dans le cœur de ses croyants, il n'y a plus aucun discernement spirituel. S'il n'y a pas le Saint-Esprit pour nous montrer, pour nous diriger, il n'y a plus aucun discernement spirituel. Et alors notre vie chrétienne, sans le discernement spirituel, devient du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être ni repris, ni enseigné, ni guidé par la parole du Seigneur. Le verset 20, vous me laissez encore quelques minutes et je finirai le message. Le verset 20 est une preuve que l'église de Laodicée est dans une apostasie aggravée. Une apostasie aggravée, puisque le verset 20 nous dit « Je me tiens à la porte ». Il est question du Christ, et dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Ça veut dire que notre Sauveur, Jésus, a été exclu, a été évacué de l'église de Laodicée. Ça veut dire que premièrement, on se rappelle de la parole de Jésus qui dit « Laodicée, je te vomirai », mais cette parole n'est pas si mauvaise que ça, après tout, parce que le premier, ce n'était pas Jésus qui avait vomi Laodicée, mais c'est plutôt le contraire, puisque Jésus est exclu de l'Église. Ça veut dire que Laodicée ne supporte plus Jésus. Laodicée avait évacué Jésus, du moins sa parole. Sa parole. Puisque Laodicée est toujours une Église. C'est de la pratique qu'on ne veut plus. C'est la parole de Dieu qui devient gênante à Laodicée, parce que Laodicée a toujours son programme, mais c'est la mise en pratique de cet évangile que Laodicée ne supporte plus. On se rappelle dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 4, j'ai mis le verset ici, où l'apôtre Paul disait « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ». Une autre version dira pas la saine doctrine, mais dira l'intacte doctrine. L'intacte doctrine, on comprend mieux. Ça veut dire la doctrine qui n'a pas été trafiquée. La doctrine qui n'a pas été améliorée. Les gens ne supporteront pas la doctrine qui n'a pas été touchée. Il y a toujours un programme spirituel, mais c'est la doctrine intacte que Laodicée ne supporte plus. Ça veut dire que Laodicée a rejeté et le Saint-Esprit. On va quand même loin. Laodicée a rejeté le Saint-Esprit et Laodicée a rejeté aussi Jésus de son assemblée. On est ici en présence d'une église, d'un chrétien, d'une chrétienne qui ne supporte pas une autorité au-dessus d'elle. Laodicée ne supporte pas une autorité au-dessus d'elle. Ça, c'est intéressant de le savoir. Antiochus numéro 2, qui était roi sur Laodicée, sur toute cette région-là, était un homme, ça c'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire, était un homme qui était amoureux, si vous préférez, tellement amoureux de sa femme, eh bien, il a voulu donner le nom de cette ville de Laodicée, puisque sa reine
Sa reine s'appelait Laodicée. Et il a appelé eh bien, cette ville du nom de Laodicée. Mais l'histoire dit que cette reine, elle, n'avait pas les mêmes sentiments que son mari. Et puis, l'histoire dit que cette méchante reine, qui ne pouvait pas supporter quelqu'un au-dessus d'elle, eh bien, elle va faire tuer son mari pour régner seule à Laodicée. Vous voyez, c'est un petit peu, si vous préférez, l'histoire montre que la reine Laodicée, eh bien, assassine son mari pour pouvoir régner seule. Et c'est ce que les chrétiens, c'est ce que l'église de Laodicée, si vous préférez, eh bien, avait fait un peu. Ils avaient mis et le Saint-Esprit et Jésus à la porte. Bon, pourquoi le Seigneur est là, il est à la porte et puis il frappe? Parce que Laodicée, le chrétien Laodicée, ne supporte pas qu'une personne domine dans sa vie chrétienne, qu'une personne lui donne des ordres, même s'ils viennent de Jésus. C'est quand même terrible ça. On comprend mieux pourquoi on l'appelle l'église apostate, l'église de Laodicée. Le verset 17, il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de personne. » Je n'ai besoin de personne. Vous voyez, ce petit mot encore nous fait comprendre que c'est vraiment l'Église qui veut régner dans sa vie chrétienne tout seul. Elle dit « Je n'ai besoin de personne, je suis riche. » Le chrétien de Laodicée n'est plus dirigé, je le redis encore une fois, ni par Jésus, ni par le Saint-Esprit. Par quoi qu'il est dirigé? Alors, eh bien, c'est l'Épître de Galates qui nous le dit. S'il n'est plus dirigé par le Saint-Esprit ni par Jésus, il est dirigé par sa chair. Alléluia. Alors, je m'imagine, avant de terminer, je m'imagine, moi, un petit peu, le contenu de nos réunions de Laodicée. Parce qu'on parle d'une église, hein. Il y a un programme spirituel, il y a des pasteurs à Laodicée. Il y a des étudiants qui se lèvent pour aller à l'école biblique. On parle ici d'une église. De 20h30 à 22h, il y a une réunion. Or, il semblerait que si le Seigneur n'est plus là, c'est de la comédie. De 20h30 à 22h, c'est du cinoche. C'est de la comédie dramatique. Et notre Sauveur, dans tout son amour, il est à la porte de cette église. Écoutez, c'est quand même terrible l'amour de Jésus. Jésus est à la porte de l'église et il frappe, et il frappe, et il frappe, voulant mettre fin au théâtre. Voulant mettre fin au théâtre, voulant dire, mais écoutez, arrêtez de faire tout ça, je ne suis pas là, je suis à la porte. Et il frappe le Seigneur, il frappe, il a été exclu. Écoutez, Jésus a beaucoup d'amour, hein. Jésus a beaucoup d'amour. Hein. Pour être exclu comme ça, je vous garantis que si ça arrive à quelqu'un de nous ce soir, qu'on nous met à la porte, je ne sais pas si on resterait à la porte, en frappant, on disait, ben laissez-moi rentrer quand même. Qu'est-ce que le Seigneur est bon? Qu'est-ce que Jésus est bon? Il est à la frappe, il est à la porte et il frappe, voulant rentrer. Je pense que si le César des hypocrites ait bien existé, il serait décerné à nos chrétiens de Laodicée. Mais cependant, au verset 19, je termine là-dessus, au verset 19, un appel à la repentance lui est quand même accordé. Parce que Dieu est bon et nous savons que dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il veut qu'il change de conduite. Jésus veut que Laodicée change de conduite. Jésus veut que Laodicée le laisse entrer et dit « Je me tiens à la porte et voici je frappe. » Et dit « Si vous entendez ma voix, alors j'entrerai. » Tout ça pour vous dire que Jésus n'est pas rancunier. Jésus n'est pas rancunier. Peut-être qu'il y a, eh bien, dans cette église, des personnes qui ne sont pas comme Laodicée, bien entendu, parce que là on parle d'une apostasie aggravée, d'un rejet complet. Mais s'il y a peut-être des personnes qui sentent, eh bien, cette bonne main frapper à la porte de leur cœur, eh bien, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur,
mais laissez rentrer Jésus. Amen. Et pour nous, enfants de Dieu, eh bien que cette église de Laodicée soit pour nous quelque chose qui nous fait froid dans le dos. Vous avez vu, elle est vraiment une église très très médiocre, une église vraiment négative, et qu'on puisse eh bien en prendre leçon pour dire « Mon Sauveur, tu es dans mon cœur et tu resteras. Et Seigneur, ton Saint-Esprit aussi. Et Seigneur, notre Dieu, aide-moi. Aide-moi dans ma vie chrétienne, Seigneur. Je veux pas devenir comme ces chrétiens-là, mais je veux que le feu du Saint-Esprit règne en moi. » Nous fermons nos yeux, s'il vous plaît, et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Et c'est vrai, même si cet exemple est dur à entendre, néanmoins, cette église fait partie des sept. Et même si ça nous fait froid dans le dos, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas être des chrétiens tièdes, mais bien au contraire, nous voulons être bouillants pour toi, Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons que le zèle de ta maison nous dévore. Seigneur, viens nous animer. Seigneur, viens nous épauler. Seigneur, viens prendre toute la place dans notre vie. Bénis mes frères qui sont là, Seigneur. Bénis mes sœurs. Bénis notre Église, Jésus-Christ. Et qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.